La journée mondiale de l'eau, ce bien dont on manque tant, et dans nos régions, dans ce contexte tendu par endroits, des communes sont-elles en train de se faire voler leur eau? Dans la Drôme, un village vient de constater trop d'écart entre l'eau qui est consommée et celle qui est payée. Il y aurait des branchements sauvages sur le réseau et des vols sur les bornes incendie utilisées par les pompiers. À Marsanne, Christophe Buisine et David Paturel. Un mystère plane sur ce village de la Drôme provençale. Chaque année, de l'eau disparaît sans être facturée. Alors, en ce jour de marché, l'équipe municipale explique aux habitants comment elle va traquer les fraudeurs. Ça permet aussi de localiser tous les abonnés et aussi de repérer peut-être aussi des branchements pirates ou des gens qui ne payent pas. Le manque à gagner pour la régie municipale de l'eau est conséquent. Il y a bien sûr quelques fuites que la mairie a fait colmater, mais sur les 179 000 m3 produits chaque année, une part importante se volatilise. On estime que autour de 20 000 25 000 m3 sont des m3, comme nous les appelons, fantômes. On ne sait pas où ils sont. Donc on estime que ce manque à gagner représente entre 20 et 30 000 euros pour la commune de Marsanne. On va aller vérifier celle-là. Voir si tout va bien. En cause notamment les particuliers ou les entreprises indélicates qui se servent sur les bornes à incendie de la commune. Le cas s'est encore produit l'été dernier lors de la réfection de cette route. J'ai été appelé par un administré à 7h du matin me disant qu'une entreprise de travaux publics se servait sur cette borne incendie qui était ouverte. Quand je suis revenu sur place, effectivement, la société a confirmé ses dires et je me suis aperçu qu'en France, on faisait du bitume et de la route avec de l'eau potable. La mairie suspecte aussi des branchements sauvages sur le réseau d'eau. Pour en avoir le cœur net, il suffit de se rendre dans le réservoir de la commune. Quand on coupe l'eau aux habitants qui ont un contrat, la consommation se poursuit malgré tout. Là, actuellement, on a fermé tous les tronçons. On s'aperçoit qu'on a un débit encore de 1 mètre cube heure. Donc on peut en considérer qu'il y a quand même une consommation sauvage qui est prise. Une découverte qui choque tous ceux qui s'acquittent consciencieusement de leurs factures. Prélever de l'eau sans autorisation, c'est pas normal. Si tout le monde ne paye pas son eau, ben ceux qui la payent vont la payer plus. Donc quelque part, c'est du vol. Certains voleurs présumés ont été identifiés. La mairie a déposé plainte et une enquête est en cours.